Les prochains épisodes des Marseillais risquent de faire sensation sur le petit écran. Mélanie RL va notamment débarquer dans le but de récupérer Bébé. Pour ce faire, elle n'hésitera pas à s'en prendre à Mava. Les aventures des Marseillais se poursuivent sur W9. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les prochains épisodes du show risquent d'être riches en rebondissements. Ce lundi 4 avril 2022, Banji a notamment brisé le cœur des candidats en annonçant son départ. Loin de seulement quitter l'édition des divans, il a pris la décision de faire ses adieux définitifs aux Marseillais. Un choix radical qui a bouleversé les fans. Mais pas de panique! Si Benjamin Sam attire une croix sur l'émission, la suite promet de faire sensation sur le petit écran. Mélanie ORL est d'ailleurs, sur le point de débarquer dans la villa mexicaine. Une arrivée qui va chambouler le quotidien des candidats, et plus particulièrement celui de Mavagenam. Les deux jeunes femmes n'ont jamais été en mesure de s'entendre. Et ce, pour la simple et bonne raison, qu'elles sont amoureuses du même homme. Bien décidée à récupérer Greg, la star du RDM sera donc pleine d'ambition, et n'hésitera pas à attaquer sa rivale. Selon un post Instagram mis en ligne par SuskiRestv, la jolie blonde va d'ailleurs envoyer une pique cinglante à celle qui vient tout juste d'officialiser sa relation avec Andy. Toi il t'a trompé et pas moi, peut-on entendre dans l'extrait partagé par le blogueur. Une dispute qui risque de ne pas plaire à Cynthia, l'actuelle conquête de Bubé. Quoi qu'il en soit, les internautes semblent avoir hâte de visionner cette séquence déjà épique. Hâte de son arrivée, écrivait ainsi une internaute. Ça, ce n'est pas un truc qui se dit. On est des femmes unies, normalement on vit toutes la même chose, ajoutait un autre. Mais aussi, ridicule Lamelle, le peu de lumière qu'elle a, c'est grâce à Mava, comme plein d'autres d'ailleurs. Fermez les guillemets, une chose est sûre. C'est que les prochains épisodes des Marseillais seront palpitants. Greg serait-il prêt à récupérer son ex s'être fait humilier par Mavagenam? Mélanie Or l'a violemment balancé sur son compte Snapchat. Entre Greg Lyuga et Mavagenam, c'est toujours aussi compliqué. Après leur participation à la saison des Marseillais au Mexique, tout le monde pensait qu'ils étaient de nouveau ensemble. Mais depuis, plusieurs disputes sur les réseaux sociaux sont venues gâcher ces énièmes retrouvailles. La dernière en date la jeune femme serait très proche de son ex-bully, ce qui n'a pas plu à Greg, qui l'a bloqué de partout. La célèbre candidate de télé-réalité a d'ailleurs déclaré sur les réseaux sociaux, je m'entends avec tous mes ex. Franchement, je comprends que Greg l'ait mal pris. Il est au courant que je parle avec lui. Qu'on a un business ensemble, ça me fait trop rire, car Greg fait le choquer, alors que je ne lui ai rien caché. Contrairement à lui, je ne l'ai jamais trompé. Je ne suis pas une menteuse. Il était au courant. Je n'ai pas envie de mal parler de lui, de rentrer dans une guerre des réseaux sociaux, j'ai toujours été là pour lui. Fermez les guillemets point après cette nouvelle humiliation, Greg pourrait être prêt à récupérer son ex, Mélanie Orle, à en croire cette dernière. Comme l'a rapporté le compte Instagram arrobasfac soulignement influenceur, elle a écrit sur Snapchat Les ex servent à rien, mais c'est jouissif quand ils regrettent, je trouve. Fermez les guillemets. Puis, elle a ajouté en riant Quand je sais la vie qu'il aurait eue avec moi, et que je vois la vie qu'il a maintenant. les guillemets, même si Greg n'a pas été clairement cité, il y a de fortes chances, pour que le Marseillais soit visé Greg et Mélanie Orle s'étaient redonné une chance dans le crosspoint pour rappel, Mélanie il s'était remise avec lui sur le tournage des Marseillais versus le reste du monde 6 durant le T.E. accent aigu 2021. À l'extérieur, leur histoire d'amour avait continué et semblait solide, jusqu'à ce qu'ils se séparent encore une fois. Décidément, le jeune homme, qui a toujours ses anciennes conquêtes dans la tête, a bien du mal à se poser sérieusement.